écoutez, voilà, il n'y a pas de long discours. Vous les vivez tous en observant l'actualité. Il y a cette difficulté aujourd'hui à ramener la famille dans le projet politique. On l'évoque, vous l'évoquez, vous réagissez, et on réagit tous sur des cas précis, les allocations familiales. On sera dans l'hémicycle demain pour essayer une dernière fois de défendre les allocations familiales, mais derrière ça, il y a plus grave. Il y a cette idée que la famille n'est plus le point de départ d'un projet politique. Et je crois qu'à l'heure où on s'interroge sur la solidarité, un grand mot, à l'heure où on s'interroge sur les équilibres de la société, à l'heure où on s'interroge sur les fondements même de notre société, la famille, au contraire, devrait être au cœur d'un projet politique. Elle devrait être le point de départ d'un projet politique. Et aujourd'hui, elle n'est pas le point de départ d'un projet politique. Et je crois que c'est là où votre mobilisation, celle qu'il y a eu il y a un peu plus d'un an, mérite qu'on s'inscrive dans la durée. Sans doute avec de l'endurance et l'idée qu'il faudra être endurant. Mais en tous les cas, en ayant conscience que la famille, le territoire, l'entreprise, tous ces cercles, tous ces espaces qui sont encore les espaces de confiance, soient autant de points de départ pour un projet politique. Vous savez, quand on interroge les Français en disant « En qui vous faites confiance ?» Ils disent « On fait confiance à la famille, on fait confiance aux chefs d'entreprise, aux patrons de PME, on fait confiance aux élus locaux d'abord, avant de faire confiance aux élus, aux grands élus nationaux. » Et je suis convaincu que le point de départ d'un projet politique demain, avec vous tous ensemble, il sera de reconsidérer ces points de départ. La famille, point de départ, parce que encore un endroit de confiance, encore un endroit de solidarité, encore un endroit sur lequel se construit quelque chose de solide. Alors, inscrivez votre mobilisation, inscrivez votre mouvement, inscrivez votre énergie, inscrivez celle de nos familles dans le temps. Dans les mois, dans les années peut-être, ça sera long, c'est un combat qui est long parce que malheureusement cette défense de la famille, elle n'est pas prégnante à gauche, mais de temps en temps malheureusement également à droite. Et on a voilà, ce point de départ, et la manif pour tous il y a un an et demi a enclenché, a été le déclic. Ne laissons pas ce déclic s'épuiser, ne nous énervons pas forcément sur des points de crispation qui peuvent être très énervants, comme celui qu'on vit en ce moment. Ayons du souffle, ayons de l'avenir, ayons surtout la volonté d'inscrire la famille, d'inscrire toutes les valeurs qu'elle porte dans un grand et beau projet politique. Voilà, merci de votre énergie. De votre...